Moi-même personnellement, vini avec nous tous, réunis, pour nous gagner une apparence religieuse. Mais nous n'avons pas de spiritualité, nous n'avons pas la nature divine dans la nous. C'est dans le piège ça, en pile, le monde prend qui fait rebâtir la fausse religion. C'est simple. Simple. Ils réunis, ils chantent cantiques, tout ça, nous dit ça parmi nous, ils citent le nom du Seigneur, mais ils n'ont pas l'esprit de Christ, ils n'ont pas l'esprit de Dieu. C'est deux bas, me dit là. Il n'y a pas l'esprit de Dieu, il n'y a pas l'esprit de Christ, il n'y a pas l'esprit ou disposition de sa bon Dieu à bâtir. Nous pas voulu ça, nous pas voulu pour nous réunir et puis nous sommes un groupe monde, tout simplement. Mais nous voulons un groupe monde qui est dans la volonté de bon Dieu. Nous avons aimé des signes et des prodiges à appliquer dans le temps. Il est vrai que le Seigneur est en l'on pas dans volonté bon Dieu ça pas fait l'on pas spirituel assez ça pas fait. Nous devons confesser que pour un monde spirituel il pas chose facile. On pas besoin de pour un peuple spirituel. Et pour un grand monde spirituel il met en pile consécration. Donc le pour tout un groupe monde spirituel il met en pile travail. D'après ça, nous apprenons, depuis un groupe de monde réunis ensemble, ils ne sont pas spirituels dans l'esprit. Yo. Bon, par contre, si ça me dit, ils sont pléonasmes. Mais et si l'esprit me dit là, c'est intelligence, spirituel là, c'est de Dieu. Ce n'est pas spirituel dans l'intelligence, aussi me dit que ça va être mieux passé. Et tant le concernant, nous allons commencer à transpirer la chair. Nous allons commencer à gagner l'esprit de l'homme qui rayait. Et son bagage qui est totalement contraire à la volonté de Dieu. Qui témoin dit ça? De nous réunir ensemble, nous voulons fêter une fête sans levain. Et Paul explique ça, levain. Jésus t'a parlé de levain, il dit c'était. Dans Matthieu 16, peut-être, on a lu ça tout à l'heure. Il te dit que c'était l'enseignement des pharisiens et des sadducéens. Mais, l'on prend dans l'application, il paraît tes paroles qui sont dans la bouche seulement. Le vin, il vient hypocrisie. Le vin vient malice ou ruse les hommes. L'on a le plus loin avec lui, il vient dissimulation. Mon l'autre, mon cal plus loin. L'esprit, les hommes, le nous réunir ensemble, si nous n'avons pas la parole et l'esprit de Dieu dans le temps, nous, ces bagages, ça nous joignent. Nous joignent disposition humaine. Nous ne voulons pas ça. Moi-même, je nous connais, je dis ça parmi nous déjà. Tout le monde va intéresser si nous n'avons pas spiritualité. Nous voulons, nous voulons. Bon, tout le monde réuni, adorer le Seigneur. Mais il faut que l'Esprit, bon Dieu. Chaque fois qu'il y a un groupe de monde qui réunit, et chaque fois qu'il y a un monde qui parle de l'Esprit de Dieu, chaque fois qu'il y a un monde qui parle de l'amour de Dieu, chaque fois qu'il y a un monde qui parle de l'évangile de Jésus-Christ, chaque fois qu'il y a un monde en moins qui gagne Dieu dans sa nature, ils sont un problème. Et le ça, yeux pas spirituels, sensibilité pas spirituelle, la vie pas spirituelle, nous seulement réunis comme une masse monde. Et nous pas intéressés dans ça. Le un groupe monde réuni pas une spiritualité, sous pas veiller au cas river dans abomination. Son bas pour veiller chaque jour. Abomination facile. L'arrivée dans l'abomination le plus que péché. Il y a un bagage qui est fait, il est plus que transgression. Mais nous voulons nous réunir pour le Seigneur prendre plaisir dans le temps. Nous voulons fêter fête là, non avec du vieux levain, de malice et de méchanceté.
le vin de l'hypocrisie, mais avec des pains sans levain. Si vous voulez gagner yon fête qui n'a volonté bon Dieu, il faut gagner le vin là-dedans. En effet, l'un d'habitude des sujets sur le sel nous dit ça. Et il t'aime lire quelques versets dans ce sens-là tout à l'heure. Dans un, ça attire l'attention. Dans une application spirituelle faite, il y a un pile de bagaille qui est capable de glisser, entrer dans le mitan. Et là, il glisse, entre, il est difficile pour nettoyer. De temps en temps, il faut comprendre ça, il faut l'esprit nous attirer. Ouais, même j'en voyais au monde. Faut chaque jour bien. C'est une fois, deux, trois fois par jour, dépendamment de qui zone ou y est. Même gens, ouais, faut faire les lessive rado. Yo sale, parce que l'environnement sale, poussière. Surtout dans l'environnement pas noir. Il y a un pile bagage qui pousse sale rado. Sale cheveux, sale souliers. Même dit cheveux avec souliers, vous comprenez? Depuis notre tête jusqu'à nos pieds, faut nettoyer chaque jour. Même là avec un caille, on quitte là, on va faire nettoyage là-dedans. Poussière plein toute bagarre. Et si vous ne pas veiller, la pluie tombe, la boue, si l'eau est en train de dans la même, c'est fini. C'est même gens ont besoin d'entretien spirituel. Et Paul dit entretenez-vous. Bon, entretien spirituel qu'on doit faire. Il faut faire souvent. Il faut faire chaque jour. Ceci, c'est pas un simple lever chanter, mais c'est son étal de vigner. N'a fait appel ça pour monde vin spirituel dans le royaume de Dieu. Non, pas vle un groupe moun chanel réuni. Et il y a quelques petits travail qui fait déjà. Nous jouons des gens qui viennent parmi nous. Quelqu'un de remet adoration. Quelqu'un de remet. Et il dit ouais, le royaume de Dieu. Quelqu'un dit il a besoin de puissance. L'autre jour, frère nous dit il va casser dans la tête, marche là. Et pour le convaincre haïtien dans la rue. Il n'y a pas de travail qui mettait dans ça. Libre temps pour le monde spirituel. Il est bon pour ça. Mais si nous parlons tout de temps en temps, nous avons tellement de couches poussières qui déposées sous lui. Alors nous ne pouvons pas reconnaître lui. Et qui t'aime faire petit travail ça matin, nous avons besoin. Demandez tout le monde coopérer. Là où sorti dans la rue. L'autant des radios, ou garde télévision, ou parle avec zami, ou tant des bagailles dans l'école, professeur, toute qualité. Ou pas ouais ça, mais yo qui ton on marque sous. Qui ton tache sous. Parce que l'on réunit avec moun qui pas spirituel, il quitte marque li a sous, on marque Chanel. Surtout gen moun qui concentré, qui lit livre, qui a un rapport avec l'autre société. Et tu dans l'autre zone. Certaines fois, c'est pas bagaille ça. Il y a toujours là, oui, mais quelquefois, c'est nous-mêmes qui chita, qui réfléchit bagaille. Nous jouons dans étudier. Là, on moun chita la réfléchi avec terme ça que la Bible est. Séduction des richesses. On réunit et ou gen ça ou les soucis de ce siècle. Côté ou a réfléchi sur bagaille la vie. Et puis on ban la boue vini. Comment la boue a fait? Poussière a vini d'abord. Et ensuite la boue a fait avec de l'eau. Quelquefois et m'a boy un petit parole.
leur corps gain saleté sous lui, ou gain doit bien ou jeune la boue sous lui, c'est pour pas mettre la boue sous lui. Ou rien mal bien dans la boue. Mais poussière la rue a, poussière environnement on mettait ensuite transpiration corps fait la boue. C'est facile pour ça fait. On l'autre petit moment pas reconnaître position. Et finalement le trop la boue et dans port ou yo. C'est de la boue. Nous parlons l'autre dans créole mais c'est de la boue. Et c'est terre avec de l'eau qu'il fait. Les ports yo pas nettoyé assez. Et transpiration corps pas fait bien ensuite. Oxygène pas traverser corps ou vin ou doit venir malade sous ça seulement. Bon veille. Jésus t'a expliqué ça, mais il dit faut prendre précaution avec yo. Et bon quand on arrive les hommes viennent tellement accepter condition ça yo. Yo fait le même vin en doctrine. Yo dit, yo explique finalement yo forcer le sous monde. Et ou même venir dans l'église. Et mais qui j'ai représenté lui? Il dit la chair est faible, ça veut nous faire. Et même si l'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. C'est pas ça Christ a dit le dit ça. La chair est faible. Qu'on y a là entre nos zones, tout le monde fait ça et ouvre. Malheureusement, démocratie entrant dans l'église, tout le monde fait ça et ouvre. Mais nous venons dans le royaume de Dieu, tout le monde voulait faire ça et vous voulez tout. Vous mettez le vent ça. Nous pas qu'à payer le luxe. Et si nous devons prendre soin de ça pour nous prendre soin, nous prendre soin. Vous pensez si on vient de l'ordre, vient de principe, ou vient de l'évangile, ou vient de justice, on nous aller. Mais si c'est ça qu'on a dit au besoin, nous regrettons ça. Ça, c'est Christ qui bat la ville pour lui. Les ministres de l'évangile mourent pour ça. Jusqu'à présent, nous travaillons. Nous recevons mauvaise nouvelle hier à cause de Pasteur Pell qui font crise cardiaque. Et, mais pendant l'absence de nos réunions dans Boston. Il y a des hommes qui payent prix pour ça nous gain là je veux dire le aller yo prend temps pour yo chercher pour yo travail pour un verset biblique chita étudier quelquefois pas dormir la nuit pour yo capable mener ba nous des bagages qui pour bénir nom nous mais certaines fois ne pas faire ça, nous devons faire. Comme ils ont dit un verset l'autre jour, dans Ézéchiel 44. Ne pas songer? Qui fait celle-là encore? Je viens dire moi. Non, mais nous lisons ça. Avant que je ne plus loin avant. Nous pas lire longtemps. Oui. Mon gars, il a lu le micro, moi, s'il vous plaît. Mais il faut assez pour nous considérer ça. L'évangile, ça, nous pas capables. Nous pas capable troquer lui. Oh, me content monsieur Daniel. M'a droit là. On m'a celle en signe n'a changé. Nous pas capable troquer l'évangile ça pour chanalité. Mais pour quelle raison que fait un ministre là? Où est-il encore? M'te lire en première fois, lire en deuxième fois, m'lire en troisième fois. Monsieur, finalement, ça arrête avec vous. Qui veut celle-là? Ok, on nous lit. L'île, à haute voix, l'île pour nous entendre. L'île pour connaître qui, genre, la parole de Dieu enseignée pour que ça le ministère de Dieu là. L'île pour nous entendre. Lis un peu plus haut. Lis verset, peut-être verset 22. Le sacrificateur. Dans le parvis intérieur. Oui. Ne prendons pour femme ni une veuve ni une femme répudiée. Dans qui verset est là? Verset 22. Ok. Mais ils prendront des vierges de la race de la maison d'Israël.
Est-ce que c'est verset non appelé là? Oui, pardon. Oui, continuez. Vous arrivez? Eh bien, arrivez vite. Pour aussi prendre la veuve d'un sacrificateur. Verset 23. Ils enseigneront à mon peuple à distinguer ce qui est saint. Ils enseigneront à mon peuple à distinguer ce qui est saint et de ce qui est profane. Ils lui feront connaître la différence entre ce qui est impur, ce qui est impur et ce qui est pur. C'est pour ça ministère là. Entre parenthèses, qui te me dit qu'on bonne baga qui est impur ou pas, ouais si est impur. Au contraire, on défend yo. Vous pensez au pur. Mais vous pas vraiment pur. Le Seigneur a besoin d'un peuple qui fait distinction, qui fait la différence entre ce qui est bien et ce qui est mal. Les choses pas faites n'importe qui gens de le royaume de Dieu. Où est le verset 23, s'il vous plaît? Ils enseigneront à mon peuple. Oui. À distinguer ce qui est saint de ce qui est profane. Je dis à vous parler aux sacrificateurs, aux les des ministres de Dieu. Il va enseigner à peuple moins entre les choses banales, les choses charnelles, les choses de ce monde et les choses spirituelles. Ils lui feront connaître la différence entre ce qui est impur, entre ce qui est impur et ce qui est pur. Et ce qui est pur. C'est pour ça ministère là. Si ministère a failli dans le travail, il perd du vocation. Maintenant, si ou même pendant le ministère enseigner la parole ou a forcé pour quimber le mal, ou grand problème, faut changer ça. Bon, me dit ou pas bien succès avec le Seigneur si ou a essayé travail dans le royaume ça dans la charnalité. Et l'homme dit charnalité, il pas seulement les actions. Les actes charnels. Yo la donne tout en effet, c'est production charnalité. Mais charnalité sont état d'esprit lié. Et le charnel, ou penser charnel et ou agir charnel. Ou agir selon la chair. Parce que l'esprit est soumis à la vanité. Et quand il vient de me dire ce chanter là, inspirez-moi, ça m'a dit là. Un petit moment. Si elle va chercher à pas trop loin, il va loin en vrai, mais il y a un mur de séparation tout même avec elle. Ça fait ça. Parce que nous venons servir un Dieu qui est saint, qui est parfait, qui est céleste, qui gagne en nature élevée dans la sainteté, et puis n'a pas approché nous même avec un autre état d'esprit. Nous n'avons jamais eu succès comme ça. Faut dépouiller des œuvres mortes. Et puis que le Seigneur bénisse. Comme il t'a aimé, le Seigneur touché. Maintenant, quittez-nous enseigner les trésors de Dieu. Sous intelligent, on apprend. Sous pas intelligent, on va jeter, on va négliger. Nous venons pour nous enseigner et prêcher. Pour faire différence dans la vie. Et pas qu'on s'en vienne là. Si vous pas veillé, vous avez vu la petit monde, ou vous avez vu la grand monde, ou après grand monde, ou après mourir là-dedans, son pas jamais rien dans le bon Dieu. Parce que vous pas jamais apprécier les choses d'en haut. Mais pas faire comme ça. Vous venez pour apprendre à faire distinction entre les choses pures et les choses impures. Entre les choses spirituelles et les choses profanes. Pas payer prix ou en vain. Lors réuni avec le peuple de Dieu, faut lever main sans cœur pas condamné. Lors lever des mains, faut que c'est des mains pures. Le bouche dit Alléluia, et puis faut cœur pas nous sont hypocrites, ça fait comme ça. Lors dit merci Jésus, faut cœur pas condamné. On travaille sur un sujet, on fait une mise à jour pour l'Esprit de Dieu,
leur envie sans signe d'approbation, ça va retirer des gens qui ont assez de courage pour pas gagner justice mais pour manifester du Saint-Esprit. Ça arrive. Et le ça on mettait de l'eau dans la boue, on met de l'eau propre dans la boue ou bien dans tel fait la boue. Il est facile ou mettre de l'eau propre dans la boue en effet. Par une on a de l'eau qui est plus pure que l'eau de puits. Mais elle tombe à terre. Et dans la boue, c'est la boue le fait. Il tombe dans poussière. La vie ou gen poussière là-dedans. D'ailleurs, on malédiction dans le naturel, il dit tu es poussière. Si vous retournez dans la poussière, pendant la dit ça c'est pas de colle seulement que tu es poussière. Dans l'esprit, le tout est gen poussière. Et ça fait pour pas tourner, moi l'autre révélation que nous apprenons, pour pas tourner dans la poussière, la terre, il faut que relever de cet état de corruption. Il faut l'esprit quitter la poussière. Nous songeons verset ça, nous lisons plusieurs fois dans Somme 119, verset 25. Il dit, mon âme est attachée à la poussière. À qui poussière? Poussière physique là ou non? Mon âme est attachée à la poussière de la corruption, à la poussière charnelle. Mais mes prières là, rends-moi la vie Seigneur selon ta parole. Vous avez ministère avancé la parole. Après faire la différence entre ce qui est bien et ce qui est mal. Autant que nous avons souffle dans la bouche, nous avons cité, nous avons prêché, nous avons enseigné, nous avons dit notre Dieu règne. Vos cœurs sont en table ou bien en trône pour mon Dieu règne. Pas un succès dans rien dans le monde ça. Notre Dieu règne. On a dans Somme 37, li verset 27 là. Mais ça le dit. On va aller plus vite avec, s'il vous plaît. On a apprécié ça parce que nous avons grand pile de temps, nous allons aller avec précipitation. Mais on nous. Détourne-toi du mal. Détourne-toi du mal. Fais le bien. Maintenant, qui j'en pour faire qu'on est? Il faut qu'on ministère enseigné. Pendant avancé, qui j'en pour faire différence entre le bien et le mal. Mais meilleure façon qu'a fait ça. Tandis qui meilleure façon qu'a fait ça. M'appelez dans Somme 37, verset 27. Meilleure façon qu'a détourné du mal, c'est lors détourné du mal dans propre que pas. Le mal les enveloppé, englouti, mais on détourné de lui-même. Yon moun qui juste, yon moun qui sage, li tendait l'évangile ça. Et n'importe qui est-ce qui pas gain courage ou bien qui pas gain intelligence pour faire ça ou gain un succès pour atteindre dans mon Dieu. Faut détourner du mal, avant détourner du mal l'autre monde. Ouais, avant peur monde faire au mal, c'est pour détourner du mal dans cœur avant. Gain un mal c'est dans fond cœur lié, faut détourner de lui-même. Faut prendre victoire sous lui. Et qui ça mal à les pensées mauvaises. Les mauvaises pensées. Les mauvaises pensées ont venu imposer au sous. Que c'est où qui produit, que son l'autre monde qui mettait, c'est pour détourner de lui au nom de Jésus. C'est ça le ministère de Dieu enseigné. Il a enseigné la parole pure de Dieu. Pour capable sanctifier cœur. Détourne-toi du mal. Fais le bien. Maintenant, mais ça le dit après ça. Possède à jamais ta demeure. Car l'Éternel aime la justice. L'Éternel aime la justice. Il n'abandonne pas ses fidèles. Il n'abandonne pas ses fidèles. Ils sont toujours sous sa garde. On dit ça. Si elle va chercher à pas trop loin, pas vrai? Mais méthode là. Il n'abandonne pas ses fidèles. Mais faut aller tout le du mal et faire le bien. Ils sont toujours sous sa garde. Ils sont toujours sous sa garde. Mais la postérité des méchants est retranchée. Est retranchée. Les justes posséderont le pays. Oui. Et ils y demeureront à jamais. Ils y demeureront à jamais. La bouche du juste annonce la sagesse. Oui. Et sa langue proclame la justice. Sa langue proclame la justice. La loi de son Dieu est dans son cœur. Oui, lis ça encore. La loi de son Dieu est dans son cœur. Oui, lis encore. La loi de son Dieu est dans son cœur. La loi de son Dieu est dans son cœur. C'est pas ne chancelle point. Attitude lit toujours été stable. Son juste. À la chapitre 34 là. Lis verset 12 là. Venez mes fils. Venez mes fils. Écoutez-moi. Écoutez-moi.
Je vous enseignerai la crainte de l'Éternel. Moi va enseigner la crainte de l'Éternel. Vini m'enseigner la crainte de l'Éternel. Quel est l'homme qui aime la vie? Quel est l'homme qui aime la vie? Qui désire la prolonger pour jouir du bonheur? Pour jouir du bonheur. Préserve ta langue du mal. Ou pas qu'à pas parler mal si ou pas penser mal. Faut penser mal pour parler mal. L'autre bois te dit détourne toi du mal. Là, elle dit faut préserver langue du mal. Faut préserver langue du mal. Des mauvaises paroles, je suis dans le royaume de Dieu. Faut veiller. Paroles qui allaient à l'encontre de la loi de Dieu, de l'amour de Dieu, à l'encontre de frères. On va gagner nos besoins, certaines fois, nous pas traiter frères nous bien avec bouche nous. Par l'amour de Dieu dans ça. Si elle va chercher à pas loin, c'est vrai, mais. Bon gens pour traiter le Seigneur, pour traiter l'Esprit de Dieu dans vous, pour traiter frères. Si pas une attitude ça, nous pas spirituel. Préserve ta langue du mal. Et tes lèvres des paroles trompeuses. Veillez sans abdi. Mais pour veiller sans abdi, il faut veiller sans penser d'abord. Éloigne-toi du mal. Verset 15. Éloigne-toi du mal. Et fais le bien. Fais le bien. Recherche et poursuis la paix. Recherche et poursuis la paix avec qui est. Ça, frère. Éloigne-toi du mal et fais le bien. C'est ça que le ministère de Dieu enseigne. Il va à l'autre façon. Et nous réunis ensemble, nous parler. Nous sommes société dangereuse. Nous ne pas l'autre. Nous ne pas faire l'autre confiance. Nous réunis, mais nous pas ensemble, vrai. Et yon a veillé l'autre, c'est comme ça lié dans la politique. Lors dans le royaume de Dieu, c'est pour sentir en sécurité. Si frère gardez tête tout, c'est pour sûr que c'est parce que li vle ou. Li ta mais ouais on l'autre cocade là-dedans. C'est aucune confiance ça. S'il garde pied ou, c'est pour sûr la garder pour l'ouest que pied ou gen soulier là-dedans qui propre ou bien qui pas déchiré. Lò nan royòm ou pa gen assurance sa, lò ap gade pi ou ralèl. Ou mete l tèt an ba. E m'a montre un bagay, si m konnen moun son souli ou pral ban mwen, m pa pralè pi m. Au contraire, m'a montre l déchiré. Mais si m konnen se mal ou pral pale m, kou mwa m serèl. Wè, royòm mon Dieu pa dwe konsa, pa dwe santi nou manke sécurité lè nou réuni avec le peuple de Dieu. Et si nous parlons, le vin qu'a fait nous comme ça. Attendez ça. C'est ça qui fait fausse religion. Et si nous parlons, nous faux même avec tout l'autre. Qui t'aime faire travail, ma fait là? Faut éliminer la fausseté. Faut éliminer le vin. Nous avons un problème. Une fois, nous brotons tout bloc fausseté nous en vini. Nous brotons tout l'esprit nous. Et après ça, nous chita, nous imposer. Si nous vini faux, nous pas voulons rester faux. Nous t'en aimons le Seigneur aider nous pour ne pas rester faux. Et nous avons payé prix là. Mais allons chercher la justice de Dieu. Que le nom du Seigneur soit béni. Nous fragiles. Psaume 141. Allons lire sentiment. Éternel, je t'invoque. Viens hâte auprès de moi. Venez vite. Prête l'oreille à ma voix. Écoutez-moi, Seigneur. Quand je t'invoque. Continuez. Que ma prière soit devant ta face comme l'encens. Et l'élévation de mes mains comme l'offrande du soir. Verset 3. Éternel, mets une garde à ma bouche. Oui. Veille sur la porte de mes lèvres. Aidez-moi, Seigneur, vous bouche-moi. Pas confesser de mauvaises paroles. Là, dit met une garde à ma bouche, il pas seulement dit, pas quitter me dit mauvaise parole, pas quitter me désirer mauvais bagaille, mais mon autre explication spirituelle. Pour que ça ne dit ça comme ça. Parce que quand bouche en elle tout, il consomme convoitise. Pas quitter me consommer convoitise. Pas quitter m'emmagasiner de mauvaises choses. Pas quitter me confesser au tout. Mais une garde à ma bouche, Seigneur. Veille sur la porte de mes lèvres. Mon autre verset. N'entraîne pas mon cœur à des choses mauvaises. Son prière qu'a faite là. N'entraîne pas mon cœur à des choses mauvaises, Seigneur.
à des actions coupables avec les hommes qui font le mal. À des actions coupables avec les hommes qui font le mal, Seigneur. Et que je ne prenne aucune part à leur festin. Pas qu'il t'ait mal mélangé, non, moi, dans bagaille qui mal dans le monde, ça. Qu'elle t'ait fait dans le monde des impies, qu'elle t'ait fait dans le monde religieux, que c'est des pécheurs dans l'assemblée des justes qui ont fait travail. Et pas qu'il t'ait mélangé là-dedans, au Seigneur. Conservez-moi. Mettez sel dans sacrifice, moi, en paix. Pas qu'il t'ait tombé côté pour ne pas tomber. Mais bon, l'autre secret. Sous dans le royaume de Dieu, quelqu'un a fait bagaille qui mal, c'est pour garder ce courage pour confronter. Mon ben lâche, même si on a fait bagaille qui mal, il y a lavé, il y a répété après, il y a ri dans ça. Ou son pécheur tout. Son pécheur par extension, tant qu'on soit venu un pécheur réel. L'on tolère un monde qui fait le mal, qui dit le mal, l'on approuve, l'on la donne tout. Hey, on va arrêter pour tuer frère devant et puis on va faire dans ça. Et nous réunir ensemble, c'est pas prendre plaisir dans mitan nous. Il y a un gros bagage moi t'aime mais ouais je dis. Dans le Seigneur parmi nous. Porte élevé volento d'abord. Pour qui ça? Que le roi de gloire fasse son entrée. M'a envie ou avoir aujourd'hui sans l'esprit. Ou pas trop intéressé sans la puissance de Dieu. Et nous pas tous amis ça, nous pas vienne socialisation là. Mais nous voulons nous réunir ensemble chaque fois. Ils ont juste levé main dans pointe ça. Ils ont leur juste dans l'autre pointe levé main. Ils ont juste derrière levé main, ils ont juste devant levé main. Ils ont juste sous plateforme dans levé main, ils ont juste dans mi-temps assemblée à levé main. Et puis au fond réseau. Puis le Seigneur senti qu'on offrande qu'a levé vienne joindre. Offrande de justice. Offrande qui méritait approbation. Oh, glory! C'est pas seulement parole qu'a dit, mais il y a justice dans la vie. Il y a la pratique du bien. C'est pas même langue qui saute couper frère dehors. Et puis qu'a dit, béni soit l'éternel sous en dehors. Non! Mais bouche qui a une barrière là-dedans. L'esprit qui a une barrière là-dedans. Elle levé main et dit, merci Jésus. Bon Dieu prend plaisir là-dedans. Là, ça, bon Dieu va bénir nous plus. L'on va prier, bon Dieu va attendre. L'on va louer, le Seigneur va prendre plaisir là-dedans plus. Et je veux nous compte ça et conviction là-dedans. Moi pas intéressé pour un groupe réuni sans l'Esprit de Dieu, sans justice, bon Dieu. Moi pas voulu. En général, nous faut le cœur. Si la parole de Dieu va venir avec nous comme la parole de vérité, comme la parole de justice. Pour le convaincre nous. Si le Saint-Esprit de Dieu n'est pas là, pour commencer à venir faire nous saints, spirituels, nous n'avons aucun côté. Nous avons besoin de penser spirituellement. Ensuite, verset nous habitué avec la verset 5. Que le juste me frappe, c'est une faveur. Oui, qui te nettoyé vie. Qui te Christ à travers le ministère, à travailler dans la vie. C'est une faveur parce que si vous quittez aujourd'hui, vous avez péri comme ça. Son grâce les a corrigé vie. Et mon Léo corrigé, il est énervé, il est mauvais, il est tellement orgueilleux, il n'y a pas qu'à parler avec elle, il a péri comme ça si pas gagné que fait dans le cas là. Mais si vous voulez le Seigneur attendre des prières, si vous voulez le Seigneur accepter l'orange, vous faites corriger vie. Vous avez besoin de bien, vous avez besoin de la potasse de foulon, vous avez besoin de la main de Dieu. Je parlais avec un frère l'autre jour, il dit, yon main droite pas qu'à laver sans main gauche. Yon main gauche pas qu'à laver sans main droite. Même le main droite là bâti avec habileté, main gauche là a bâti sans habileté. Mais on a besoin de tous deux. Tous deux d'accord. Mais cependant, on a besoin d'arrangement. Mais il faut frotter vie. Et mes soeurs, nous avons lavé, pas vrai? Nous tous là avons lavé. Nous avons crédit ça. Et est-ce que nous avons pris un rad, nous mettons dans de l'eau et puis nous voyons ça avant sous les bines finies? Ça nous fait. Et quand ça vous regarde la propre, eh bien, rad vie ou pas propre, quittez aux photos tout. Aux photos tout. Pas qu'un rad cap propre, c'est ou pas frotté. Aux photos vie, ou qu'un monde qui peut frotter. Aux photos. De vous, peut photo, pas j'en propre. Si pas j'en propre, laissez pas j'en prendre plaisir en vie. Si laissez pas j'en prendre plaisir en vie, il pas j'en approuver. Si pas j'en approuver, laissez pas j'en bénir. Il pas j'en faire grâce. Ou pas j'en prendre l'épouse de Christ aussi. Vous faites des appareils pour laver rad.
Tout ça apparaît là, fait c'est secouer ce cocotte là. De bon, pap, 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 pap. Vous voyez là, vous voyez le tourner. C'est ça que la vache là, oui. Un mouvement fait pour faire savon en souffle potasse là. Passer dans toile là. Vous êtes capable nettoyer, retirer saleté. Travail ça va pas fait, pas de espoir. Beaucoup propre, j'en besoin propre. Si m'a joint de te frotter vim, m'a d'ap même là jodi. Mais oui, merci bon Dieu de te joindre un groupe monde qui te travaille dans moi. Yo te frotter. Ou moi te faire pas conscience. Que le juste me frappe, c'est une faveur. Qu'il me châtie, c'est de l'huile sur ma tête. Ma tête ne se détournera pas. Mais de nouveau, ma prière s'élèvera contre leur méchanceté. Alléluia. Ou pas bien force devant l'ennemi. Si le Seigneur n'a pas approuvé vie. Allons l'on verset dans le Théonome. Témoin si c'est l'im besoin. Chapitre 16 là. Allons prendre note. Allons comprendre. Allons apprendre. Allons pas exporter rien. Qui va s'en dire quoi? Le Théonome 16. Verset 13. Tu célébreras la fête des tabernacles pendant 7 jours. Tu célébreras la fête des tabernacles pendant 7 jours. Quand tu recueilleras le produit de ton air et de ton pressoir, tu te réjouiras à cette fête. Toi, ton fils et ta fille, ton serviteur et ta servante, et le lévite, l'étranger, l'orphelin et la veuve qui seront dans tes portes. Tu célébreras la fête pendant 7 jours en l'honneur de l'Éternel. Yo te fêté la fête des tabernacles pendant 7 jours. Anou bon ti doctrine là. Anou bon ti doctrine, anou bon ti explication. Tendez bien. Yo fêté la fête des tabernacles pendant 7 jours. Ils sont type. Mais c'est pas ça seulement. Continuez. Tu célébreras la fête pendant 7 jours en l'honneur de l'Éternel, ton Dieu, dans le lieu que choisira l'Éternel, car l'Éternel, ton Dieu, te bénira dans toutes tes récoltes et dans tout le travail de tes mains. Et tu te livreras entièrement à la joie. La fête des tabernacles, c'est ton fait qui te gagne récolte là dans tout. Non pas arrêter sur ça là, cogner là, parce que le bon façon que l'expliquer. Nous souhaitons un jour nous gagner petit temps pour nous travailler sur les fêtes. Il y a de bonnes révélations là-dedans. Ils ont passé 7 jours à fêter. Ils ont eu la fête des huttes. Ils ont eu la fête des cabanes. Son fête. Mais tout ça le gain la donne qui fait au fêter. Il y a pas de fêter la fête des tabernacles dans le désert. Il a été quitté désert. Au contraire, fête ça au fêter parce que il a le célébrer parce que là était dans le désert, il était une tente. Il y a la fête des tentes aussi. Mais là au quitté désert là, il a allé sur la terre ferme. En Canaan, il y a un caille. Et là, ça, le a fait ça pendant 7 jours. Tout le monde qui te caille. Il a fait un petit tonnel en paille. Toute qualité de feuille. Et puis, il était en balle. Qui ça a dit? Nous songeons l'un dans le désert sans battre notre terre. Nous faisons 7 jours pour nous célébrer ça, pour nous rappeler tête nous en battante. Maintenant, nous avons quitté la condition ça, mais nous sur la terre ferme, nous avons une caille pour nous rester. Que le nom du Seigneur soit béni. Qu'est-ce que ça va représenter pour nous? Et là, nous allons fêter la fête des tabernacles. Nous pouvons fêter. C'est la fête des récoltes aussi. Et un jour, nous papes, n'entendons ça encore. Mais ça nous a dit aujourd'hui.
Si cette tente où nous habitons sur la terre est détruite, nous avons dans le ciel un édifice qui est l'ouvrage de Dieu. On l'a pas toujours dans le désert pour fêter, pour pouvoir habiter sous des tentes. Oui, je dis à nous habiter sous des tentes. Mais on l'a, on va quitter condition tente là. On va traverser dans la maison ferme. Nous avons dans le ciel un édifice qui est l'ouvrage de Dieu. Une demeure éternelle qui n'a pas été faite de mes dames. Nous allons fêter la fête des tabernacles, principalement dans l'épouse de Christ. Les on va con angélique. Oh oui. Les on va fêter. On va chanter Hosanna. Hosanna. Et grand seule raison qu'on va rappeler de la vie d'autrefois, c'est pour faire comparaison à la vie éternelle qu'on va gagner. Il n'y a pas de douleur encore là, ça, parce que le Seigneur va, il va essuyer toute larme de tes yeux. Au pape songer pour gagner des sentiments de regret encore. On va gagner des sentiments de réjouissance, de joie. Parce que un jour, on va dire, mais quand tu es dans le désert, on va pas de l'eau, on va pas assez manger. On va habiter sous des tentes, on va avoir un problème. Soleil là, t'es chaud dans comme. Et c'est pas brûlant, t'as mordé, mais ça m'a traversé. Mais je dis à m'a fêté. M'a fêté la joie parce que m'a gagné tant. M'a gagné tant en commun. M'a gagné un édifice éternel. Yon caille qui va faire de mes dames. Oh, ouais. Et c'est comme ça, Paul de Gagné le dit ça. Si c'est de temps où nous habitons sur la terre est détruite, nous avons dans le ciel un édifice qui est l'ouvrage de Dieu. Et c'est pas menti, sauf que gagné une explication qui marche avec ça. On va arriver dans une zone. On va arriver dans une zone. On va sentir que le Seigneur va bas où les récompenses de la vie éternelle. Et Zach fait, il te dit ça dans Romains 8, par vrai, verset 18. Les souffrances du temps présent ne saurait être comparé à la gloire à venir qui sera révélée pour nous. Ça, c'est la fête des tabernacles que nous allons fêter. Mais avant d'arriver là, on nous joint dans l'autre fête. Verset 16, pas vrai? Oui. Trois fois par année, tous les mâles d'entre vous se présenteront devant l'Éternel, ton Dieu. Devant l'Éternel, ton Dieu. Dans le lieu qu'il choisira. Dans le lieu qu'il choisira. À la fête des pains sans levain. Premièrement, dit à la fête des pains sans levain. À la fête des semaines. À la fête des semaines. Et à la fête des tabernacles. À la fête des tabernacles. Trois fois, les hommes doivent monter, aller à Jérusalem. Trois fois par année. Mais une fois, c'était à la fête des pains sans levain. À la fête des semaines. Et à la fête des tabernacles. À la fête des tabernacles. Mais t'es gagné. Gagné, on va m'expliquer là. On va arrêter sous lit parce que nous n'avons pas étudié les fêtes. La fête des pains sans levain, t'es connecté tout directement avec la fête des tabernacles. T'es gagné trois fêtes qui ont été fêtées. Une, c'était la Pâque. L'autre, c'est la fête des pains sans levain. La fête des pains sans levain a duré une semaine, 7 jours. Mais dans le même jour, tu as la fête des semaines qui commençait. Et la fête des semaines va durer 7 semaines. Et l'on multiplie 7 semaines par 7 jours de la semaine, Libaou, 49 jours. Le 49 jours accompli, 50e jour et les jubilés, c'est la Pentecôte. Je vais finir de droit comprendre qu'on est là. Même si la pluie a tombé, écoutez bien. On traverse l'épreuve nous avec la foi dans mon Dieu. Dans la fête des pains sans levain, nous avons inventé notre doctrine là.
Nous va fêter la fête des pains sans levain. Maintenant, pour arriver. Parce que nous sommes dans l'église, nous pouvons fêter, faites ça. Mais nous privé pour nous fêter. Alright. On nous lit en Corinthiens 5. Verset 6. C'est bien à temps que vous vous glorifiez. C'est bien à temps que vous vous glorifiez. Vous avez verset, pas vrai? Qui chapitre n'a pas là? En Corinthiens 5. Verset 6. C'est bien à temps que vous vous glorifiez. Ne savez-vous pas qu'un peu de levain fait lever toute la pâte? Non. Dans le spirituel, Paul a expliqué l'application faite là. Paul a expliqué l'application faite là, si vous voulez comprendre. Longtemps, c'était farine avec de l'eau, sel. Mais je dis, ah, c'est pas ça. C'est nous-mêmes qui pâtons là. Parce que c'est nous qui allons faire pain. Parce que vous êtes le corps de Christ. Vous êtes ses membres. Vous voulez comprendre ça très bien? Pendant la lit chapitre 10 là. Verset 17. C'est pour en compréhension que le verset ça. T'as le conseil à tourner côté de là. Puisqu'il y a un seul pain. Puisqu'il y a un seul pain. Nous qui sommes plusieurs. Nous formons un seul corps. Alléluia. Bon seul pain. Nous qui sommes plusieurs, nous formons un seul corps. Car nous participons est-ce que est-ce que vous voulez dans corps ça? Parlez avec nous. Car nous participons tous à un même pain. Verset ça seul, on a besoin là. Quittez-moi, il faut répéter ton bagage. Dans mon levé, mais on l'a dit, Seigneur, fais-moi un seul pain ça. Son prière lié, oui. Seigneur, fais-moi un seul pain ça. Bon seul vrai pain. Oh, que le nom du Seigneur soit béni. Puisqu'il y a un seul pain. Là dit puisqu'il y a un seul pain, un bon seul vrai pain, un pilote pain. Yo font pilote pain. Mais un seul vrai pain. Et pas qu'un non pain ça n'importe qui gens. On faut lire verset ça pour une raison. On nous tourne dans chapitre 5 là. C'est enseignement pour faire travail là. On va vous raconter aux paroles, mais c'est enseignement pour faire travail là. C'est bien à tort que vous vous glorifiez. Pas oublier qu'on seul pain, qu'on seul pas de cap battre pour faire un seul pain. C'est bien à tort que vous vous glorifiez. Ne savez-vous pas qu'un peu de levain fait lever toute la pâte? Faites disparaître le vieux levain. Tout le monde dit ça avec moi s'il vous plaît. Non, mon participé. Fais disparaître. Répétez ça plus fort. Fais disparaître. Pas voyez sous froid qui sous coteau là, non. Mais ça avec tête ou à parler. C'est pour me faire disparaître. Non, moi-même, le vieux levain. Et le parle identifier le bout. Pour que vous soyez une pâte. Que vous soyez une pâte nouvelle. T'as l'air, elle te dit, pour son pain. Là, elle dit une pâte. Mais c'est même bagage. C'est pâte là qui fait pain. Puisque vous êtes sans levain. Alors, puisque vous êtes sans levain. Car Christ, notre Pâque, a été immolé. Verset 8. Mes recommandations. Célébrons donc la fête. Non avec du vieux levain. Non avec un levain de malice. Et de méchanceté. Mais avec les pains sans levain. De la pureté. De la vérité. On nous relit, verset 8.
Mais qui ça? Mais qui ça a besoin de mettre ensemble pour célébrer la fête là? Célébrons donc la fête. Célébrons donc la fête. Non avec du vieux levain. Non avec du vieux levain. Non avec un levain de malice. Non avec le levain de malice. Et de méchanceté. Ruse, dissimulation, l'envie et médisance. N'a pas cité 1 Pierre chapitre 2 là. Nous n'avons pas besoin de bagaille ça dans la patte là. Nous ne voulons pas une société dangereuse. Nous ne voulons pas nous réunir pour une pelote. Une bagaille vivre avec l'autre. Tellement de levain, tellement de orgueil, tellement de crête, tellement de hypocrisie, tellement de ruse, tellement de malice, tellement de méchanceté. Nous ne voulons pas traiter l'autre bien. Une pelote, son vieille société ça est. Moi, je ne vais pas son côté. Moun pe moun. Et c'est comme ça nous viennent par l'église de Christ. Nous par l'église du Seigneur. Nous faisons une meilleure atmosphère demeurer parmi nous. Et nous enseignons comme ça qu'on gagne une résistance qui crée. Mais ça lié. Personne n'est pas coupable. Tout le monde est parfait. Depuis que tu as enseigné là, tout le monde est pratiqué déjà. Non, on va besoin de prendre dans pièce, ça va pas passer. Nous tous coupables. Et pour nous tous convertis. Que ce soit Jean lié à Gonti le vent à venir quand même pour retirer. On nous relit verset 8 là encore. L'intéressé. Célébrons donc la fête. Non avec du vieux levain. Non avec du vieux levain. Non avec un levain de malice. Non avec le levain de malice et de méchanceté. Mais avec les pains sans levain. Avec les pains sans levain. De la pureté. De la pureté. Et de la vérité. C'est avec ça que vous faites des fêtes là. Vous avez là réuni. Nous avons des gens qui m'ont dit côté pain. Il y a des gens qui ont un problème avec qui ne pas prendre la scène. Il y a un verset biblique qui dit pour prendre un petit morceau de pain avec un petit verre du vin. Il y a un. Ce sont vrais étudiants la parole. Okay? Maintenant, il y a des gens qui veulent faire ça pour pouvoir renforcer les croyances. Si c'est pour ça qu'on fait, il n'y a pas de problème avant. Ce sont rituels. Mais la Bible dit que c'est avec pureté et vérité pour me faire des fêtes là. Et pas ça le dit? Donc, pour aller fêter la fête des pains sans levain. Si vous êtes le corps de Christ, vous êtes une pâte nouvelle. Comment on fait une pâte nouvelle? Parce que vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. La parole de Dieu, les libérer le cœur de toute vieille malice et méchanceté. Jésus dit, disciples, dans Jean chapitre 15, déjà vous êtes purs à cause de la parole que je vous ai annoncée. Et le ministère de Dieu enseigne la parole. Pour faire différence entre ce qui est pur et ce qui est impur, son sens pour libérer de toute impureté. Pour qu'il y ait pureté. Et nous réunir ensemble, nous sommes membres les uns des autres. Nous sommes membres les uns des autres. Le savoir un miracle, bon Dieu n'a mis en nous. Si elle n'a pas trop loin, vrai. Mais quand pile bagarre qui empêchait de l'eau à couler. Il est un fleuve dont les coins régissent assez de Dieu. Le sanctuaire des demeures du Très-Haut. Dieu est au milieu d'elle. Moi, dit Dieu est au milieu d'elle. Dieu est au milieu d'elle. Des nations s'agitent. Des royaumes s'ébranlent. Il fait entendre sa voix. La terre se fond d'épouvante. L'Éternel des armées est avec nous. Le Dieu de Jacob est pour nous une haute retraite. Gloire à Dieu. Il n'est pas loin de nous. Il est là. Soit entré dans le royaume de Dieu, pas joué, soit besoin qu'on ait. Il y a un bagage qui campait bénédiction. Il y a un bagage qui empêchait de l'eau à couler. Il faut que les courants du fleuve réjouissent la cité de Dieu. Le sanctuaire est la demeure du Très-Haut et Dieu est au milieu d'elle. Levez-moi et dis bon Dieu merci. Levez-moi et dis bon Dieu merci. On
Nous pas les réunir pour nous même nous était toujours hier. Charnalité rayé. Nan pensé nous orgueilleux. Les hommes fragiles en pile tellement orgueilleux, susceptibles. Voyez un jeune homme nous pas qu'a dit en parole pour pas transformer l'en bas qui mal, tellement remet personnalité. Tellement remet ville. C'est lui-même seul qui bon tout l'autre monde mal. Lui-même seul qui zan tout l'autre monde c'est méchant. Pourquoi ça va renverser le pito? Songez pasteur Welch enseigne nous leçon. Il dit on nous comprendre ni comme ça. Il dit nous dit moins bon ou pas bon. Mauvaise déclaration. Il y a un monde qui dit, nous tout bon, c'est moi qui pas bon. Mauvaise déclaration. Mais déclaration bon, nous sommes frères. Mais mes frères, selon la miséricorde, avancez avec lui. Remets Jean Léa. Pas parler le mal. Pas détruire lui. Prends patience avec elle. Bon Dieu va bénir. Alléluia. Une bagarre moi rendre moi compte c'est que le plus souvent monde qui pas prendre patience avec monde c'est parce que lui-même dit qu'on va à la caille lui il mal mais si tu te reconnaître que au grand bagarre la caille mal au monde t'a humilié ou t'a commencé supporter l'autre le Seigneur va gagner miséricorde pour gagner un l'autre. Verset biblique, c'est dans Galates. Attendez ça, Paul dit là. Hey. Verset 13 dans chapitre 5 là. Frère, vous avez été appelé à la liberté. Vous avez été appelé à la liberté. Seulement, ne faites pas de cette liberté un prétexte de vivre selon la chair. Un prétexte de vivre selon la chair. Mais rendez-vous par la charité, serviteurs les uns des autres. Car toute la loi est accomplie dans une seule parole. Je vais lire l'autre verset dans le même chapitre, ça, mais je voulais lire ça avant. Et rendez-vous serviteurs par la charité les uns des autres. C'est pour ça que nous relis. Non pas. Venez là pour nous seulement, on sont bon observateur, mais nous venons là pour nous servir les autres. N'importe qui est-ce qui va jouer ni à servir les autres quand on manque de vocation, ou rat-il? Ou besoin à servir frère? Ou besoin à mettre tête comme un serviteur humble pour frère et soeur dans le royaume de Dieu? C'est comme ça que nous parlons du royaume spirituel. Nous ne pouvons pas l'autre façon. Hey. Verset 14. Car toute la loi est accomplie dans une seule parole. Toute la loi est accomplie dans une seule parole. Dans celle-ci. Oui. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Mais si vous vous mordez et vous dévorez les uns les autres. Mais si vous mordez une autre, vous dévorez une autre. Prenez garde que vous ne soyez détruits les uns par les autres. Pour nous, nous ne pas détruire l'autre. Certaines fois, nous avons détruit frère, nous ne pas connaissons parce que nous sommes à l'aise. Bon, ça. Il y a un monde qui mord dans l'autre monde, pas senti que ça fait le mal. Parce que vous avez souffert. L'homme qui colle dans le pont l'autre. Son attitude comme ça. Vous avez une attitude ou pinçon au monde. Ou bien on pique elle. Et puis l'a souffri, ou même relax. Ouais, l'amour de Dieu m'a dit ou mettre tête dans place on l'autre. Et ça n'a pas défendre là, si nous pas gagner ça, moi même pas gagner placement ici à tout. M'a besoin bagaille. Ou travail m'a fait ici à, m'a pas faire pour quoi. Yo pas payer, m'a pas besoin personne payer. M'a pas besoin gloire dans mes personnes. M'a rien charnel besoin ici à. Pas besoin comme personne.
Ba fait si politique abuser personne pour l'argent. Moi dit m'pas besoin avantage aucun dans mes personnes. M'le fait travail main droite. De bon monde qui a essayé diriger avec petit corruption prend petit cob à droite, petit cob à gauche. Presse à dégager pressé prend petit cob ou pas tomber dans corruption quand même. Si dans mwen kon n'ap tout nos société corrompu, charnel, malé. M'pa vle. Tout prix intéressé misia, m'vle wè bon Dieu parmi nous. Et m'pa la kanpe de chè sa, m'a don parole qui pa selon cœur, m'gen conviction dans sa m'a dire. M'pa fè ça pour rien dans le naturel. M'pa vann non, m'pa menen personne vin acheter nous ici a. Bon l'argent sous côté m'pa hypothéquer nous m'pa louer nous m'pa fermer nous m'pa prêter comme sous nous m'pa faire bagarre comme ça d'ailleurs petit temps ça trois petits pour te bâti déjà les blancs dit aïe me comprendre m'ka dit aïe me tout mais nous pas vendre. Pourquoi ça ne pas vendre? Nous avons besoin du corps de Christ bâti. Vous avez le bon Dieu de grand bénémoine dans le peuple et en justice qui manifeste. Si nous ne pas la corruption, nous ne pas l'avantage charnel, au moins nous avons besoin de grand temple, pendant que le ciel déposé, l'esprit parmi nous. Levez-moi et dis bon Dieu, merci pour ça, liez-vous. Oh God, alléluia! Nous voulons être ensemble dans le royaume de Dieu. Nous voulons bon Dieu marcher parmi nous. Mais c'est où pour inviter? Et vous le venez avec cheval li pour le triompher dans mitan nous. Si le Seigneur a une place li parmi nous, il n'y a pas besoin là. On ne va pas exagérer. Verset 15, mais si vous mordez et vous vous dévorez les uns les autres, prenez garde que vous ne soyez détruits les uns par les autres. Pour ça, pas fait, faut célébrer fête là, non avec du vieux levain, levain de malice et de méchanceté, mais avec des pains sans levain. Mais ça va m'inviter tout le monde fait. Ça va m'inviter tout le monde pour conscience de problème. N'importe qui ça qui la kayou ka pique peuple bon Dieu, vann ni. N'importe qui ça qui la kayou ka détruit le peuple de Dieu, éliminer. Vini parmi peuple bon Dieu comme des hommes et des femmes sans violence. Et puis soumettre la vie dans communion spirituelle là. Si rien pour supporter, supporter. Si rien pour souffrir, souffrir. Mais c'est pour serviteurs les uns des autres. C'est ça le corps de Christ. Je n'ai pas peur de dire que je n'ai pas voulu bâtir une fausse religion. C'est plus que déception d'argent, je prends 6 mois. Nous avons un groupe de peuple qui est religieux, mais pas un bon Dieu dans le temps. Nous ne pas sentir bon Dieu. Nous pas sentir présence bon Dieu. Nous pas sentir approbation bon Dieu. Parce que nous n'avons pas justice bon Dieu. Nous seulement vides, nous secs. Elle finit, nous venons, nous allons. Nous venons chanter et venons aller. Pas rien. Pas rien l'esprit de Dieu. Pas rien croissance spirituelle. Pas rien considération. Pas rien amour divin. Pas rien personne qui a construit personne. Vous n'avez pas mordé l'autre. Si vous sentez tout est mordé, vous avez le côté pour ranger sa velle. Vous sentez l'esprit pas de droite envers lui. C'est pour prendre soin. Vous allez venir pour nous goûter ici. Vous venez pour nous bâtir le corps de Jésus-Christ. Je veux rappeler aux vocations. Que son Saint-Nom soit béni. Alléluia, alléluia. Nous sérieux. En nous lisons verset 7 dans le même chapitre là. Regardez pour qui ça le dit. Vous courriez bien. Vous courriez bien. Qui vous a arrêté
Qui vous a arrêté pour vous empêcher d'obéir à la vérité? Ou t'as coopéré très bien. Ou t'es dans le royaume correctement. Qui ça campé? Qui ça qui retire inspiration? Qui ça qui retire appétit? Ou n'en bâti le corps de Christ? N'en remet la vérité. Pour qui raison? Pour qui ça ou changer? Même si toujours là, mon changer. Pour qui raison? Pour qui ça? Continuez. Cette influence ne vient pas de celui qui vous appelle. Influence, ça, c'est pas mon qui relo là, c'est pas lui qui voyait. Il n'est pas sorti de Dieu. Un peu de levain, un peu de levain, fait lever toute la pâte. On dit crasse méchanceté, on dit crasse orgueil, on dit crasse jalousie, on dit crasse esprit personnel. Fait toute pâte la lever. Comment le lever? Là, nous réunis ensemble au lieu. Nous adorons le Seigneur pour nous sentir, bon Dieu. Nous sommes vides. C'est ça le levain fait. Il faut paraître gros, mais sans rien. Ou paraître gros, mais en léger. Et ça fait lire les hypocrisies, méchanceté, malice avec ruse. Il n'est pas réel. Mais nous avons aimé le Seigneur toucher nous. Comment nous avons aimé le Seigneur toucher nous? Nous allons prier tout à l'heure. Nous allons prier tout à l'heure. Mais qui te dit quelque bagaille. On va le finir tout à tout. Nous c'est des hommes, c'est des femmes nous nés dans un monde terrestre, charnel, sensuel, diabolique. Nous toutes venir avec péché nous. Nous t'aimé le Seigneur purifier nous. Nous t'aimé le Seigneur délivrer nous. Nous t'aimé le Seigneur agir pour nous. Maintenant, il n'est pas facile. Est-ce qu'on va soumettre vie pour mon Dieu béni? Qui te rappelle un autre bagaille? C'est travail ou vient travail encore. Ce n'est pas plaisir ou vient prendre. Vous dites pour vous? C'est travail ou vient travail, ce n'est pas plaisir ou vient prendre. Nous travaillons sous l'esprit nous. Nous travaillons sous orgueil, nous. Mettez-nous au travail dans le royaume de Dieu. Ou va en femme vertueuse. Ou prenez en piège l'esprit ou soit chercher choses faciles. On bagaille comme ça. On a cherché la chose la plus facile. On bagaille comme ça dans le monde aujourd'hui. Le monde finit gâté. Pesez bouton par la moun New York. Pesez bouton par la moun en Afrique. Il n'y a pas comme ça longtemps. De qu'on prend bourrique avec cheval qu'on y a, ou prend un avion dans une heure arrivé, quand on dit qu'on fait dans 6 mois arrivé dans 3 heures de temps, et n'a pas ces boutons à vivre. Les hommes viennent tellement à l'aise, vanité ça vient affecter le royaume de Dieu tout. Tout le monde besoin à l'aise, pas un côté pour à l'aise dans le corps de Christ. Travaillez à votre salut avec crainte et tremblement. Mais on regrette pour me dire ça, pas un côté pour à l'aise dans le corps de Christ. Son zone de travail lié. Oh, alléluia. Le 8, allez, lui suivre Naomi. Le rivé l'autre bon, il y a le glané dans les champs de Boaz. Les vatages chita gade. Mais la marche prend si bagay dans les récolte là. C'est pas dans le travail. Et puis Boaz gade l'autre bon, lui. Et puis il pose question ça. Quelle est cette jeune fille? Il explique lui. C'est une Moabite, elle est venue avec Naomi. Et puis il dit, cette belle jeune fille qui travaille, appelle-la moi. Voilà, mais Christ dit ça, Christ. Christ, car il est Boaz, son type de Christ. Mais c'est dans le champ, elle a travaillé dur. Elle a pébri. Elle a l'esprit, elle a soumettre. Elle a travaillé, mettez mes mains dans le travail là. Elle a pris mes frères, elle a lavé pied frères. Ou à bénir corps, à bon serviteur les uns les autres, sans hypocrisie, ni menace, ni ruse. Mais on va faire travail corps, non corps, sans argent, sans or, sans rien payer. Et pendant Christ, il y a miséricorde pour vous. Il dit qui est souillé. Et puis peut-être le ministère expliquer qui est souillé. Il connaît, il ne sait pas connaître, mais il pose la question. Et puis il dit, menez-le pour moi. Menez-le, vini. Il va commencer à offrir des choses. Il va commencer à offrir des présents. Et bientôt, nous allons trouver nous coucher dans les pieds de notre maître Boaz.
C'est notre travail pour nous jouer une récompense. Nous. Je regrette ça, mais quoi, mon zone, quand on vient, ni by blague, ni prend plaisir, ni garder pour à côté le plus bon pour vous, c'est travail ou vient travail. C'est ça, Christ, mais nous vient faire là. Qui peut trouver une femme vertueuse? Proverbe 31, pas vrai? Elle a bien plus de valeur que les perles. Le cœur de son mari a confiance en elle. Et les produits ne lui feront pas défaut. Oh, oui. Bien, ça le dit. Elle met la main à la quenouille. Et ses trois, ses doigts tiennent le fuseau. Alors, ça veut dire, ils sont monde qui a fait tricot. Elle a fait toile. Elle a tissé. Elle a travaillé dur. Son mari est considéré aux portes. Quand il cherche avec les anciens du pays, elle donne la nourriture à ses servantes. Il travaille dur. Travail, ça, c'est pour un travail physique seulement lié. Il faut un travail dur dans l'esprit. Pour abrahir le mal et faire le bien. Pour obtenir à ce que la parole de Dieu prenne place dans la vie. Son dur travail, dur labeur. Que son Saint-Nom soit béni. À nous veiller pour ça va arriver. Que d'emba deux ou trois instructions. N'importe qui ça yon moun ap touché dans le royaume de Dieu, touché avec précaution. N'importe qui ça va faire dans le royaume de Dieu, fais avec précaution. Vous en faire avec un esprit de serviteur. Vous humiliez sous la puissante main de Dieu. Vous faites travail, bon Dieu. Le fini va le faire ou tout. On n'a pas besoin de toucher dans mes personnes. Parce que mettre ou va payer. En nous spirituel. Moi, je dis en nous spirituel. En nous pas deux ou trois mouns qui viennent. Qui seulement viennent derrière un petit gloire, un petit vain gloire. Toute société qui réunit. Chaque grain de mon apprécié la ré et son lot. C'est comme ça, vous voyez. Bon, société scout qui fait, ils mettent chaque campé en pointe. Bah, qui ça scout a fait l'église. Ils mettent au campé là. Bon moniteur, bon chef, bon président, chaque monde son président. Quand il va aller au maestro encore le président choral. Président jeunesse. Président chef. Évêque. Et président de la mission, bon président, bon président. Finalement, par contre, combien de présidents qui ont la mission? Tout le monde président. Tout le monde besoin de rayer. Il y a une base spirituelle. Tout président. Et pas ça, vocation. Yo. Malheureusement, quelquefois, il y a un monde qui peut enseigner pour faire la différence entre la pureté et l'impureté. Mais à suivre, c'est l'esprit. Yo. Tout le monde besoin de chef. Vous ne connaissez pas ça, nous venons faire ici. À tout le monde serviteur. D'ailleurs, je ne mettais personne mon chef ici, parce que même moi-même, pas trop chef. Pour me dire, je chef même. Un seul monde qui est chef ici, à Christ. Elle va nous montrer autorité à nous servir avec elle et pour bâtir le royaume de Dieu. Si je m'utilise un peu d'autorité que Christ m'a moi, c'est pour faire le bien. Pour bâtir le corps de Christ. C'est pour manifester l'amour de Dieu. C'est pour tenir à ce que le travail spirituel l'a fait. C'est pour ça nous là, nous avons une haute vocation. Nous avons la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ. Il faut que nous produisions l'épouse de Jésus-Christ. Oh, la terre va nous récompenser encore. Nous avons rien de sérieux dans le fait ici. Même le Christ, Christ, Christ a approuvé le travail nous. Que le nom du Seigneur soit béni. Mais nous avons envie de faire ici. Si c'est pas bagaille, ça, on a expliqué l'on vient faire. Si on l'autre bagaille, on vient faire. Nous pas avoir la donne. Elle a chanté, chanté avec onction. Elle a joué, joué avec justice et onction. Elle a prêché, mes frères. Prêché avec justice. Prêché avec onction. Nous, même, on vient encore. Servir avec justice. Servir avec onction. Ou avoir une autorité, bon Dieu, dans la vie. Et nous, venons, nous, bagaille, bon Dieu, c'est pas rien que sérieux, on a réglé. Levez-moi, alléluia, le Seigneur.
C'est les bonheurs de la fête. Non, avec du vieux levain. Le vin de malice et de méchanceté. Mais avec des pains sans levain. Au lieu d'une veille l'autre pour le piquer, une doit veiller l'autre pour le servir. Au lieu d'une veille l'autre pour le parler le mal, une doit veiller l'autre pour le faire complot d'amour pour qu'on puisse mettre ensemble. Pour mettre un soulier dans l'autre là. Comment on a fait pour l'autre là manger? Combien de jours le fait pas manger? On passe sous frère pour occuper. Là, t'es capable de manger le grand goût. T'es capable qui chole maintenant pied ou pas balil. Comment mon bon Dieu a arrêté l'irayé dans le cœur? Qui sont venus régler? Ça, c'est le corps de Christ qui est. Un seul pain, une seule pâte. D'ailleurs, mais tout le monde qui a l'esprit personnel, il a jeté. On a parlé de l'esprit charnel. Tout caractère humain. Pas jeté. C'est ça, Christ te dit. Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même. Qu'il se charge chaque jour de sa croix. Et qu'il me suive. Nous ne sommes pas venus pour nous faire des choses dans le royaume, non. Mais nous venons pour nous bâtir le corps de Christ. Je voulais songer ça. À part pour me finir. À part pour me finir, mais. Nous avons besoin de prier. Nous avons besoin de prier pour le Seigneur aider nous pour que nous puissions. Priez, demandez le Seigneur pour le miséricorde pour nous. Quel que soit ça, nous te fait frère, nous qui mal. Que nous te conscients, que nous pas conscients. Demandez le Seigneur pardonner ou s'il le faut révéler. Non pas qu'en société cap détruire une autre. Nous n'avons pas de crise, nous n'avons pas de gros cas. Mais nous avons un petit pain, nous besoin de retirer. Nous avons un petit fatra. Il faut être la fête. Nous venons, c'est pour l'Esprit de Dieu libéré. Côté de la libérer, dans l'Esprit d'abord. Nous avons besoin de nous réunir. Je veux dire que quelques personnes ont loué bon Dieu. Non, je veux dire que tout le monde est occupé dans louer le Seigneur. Soit veille à s'allier. Expliquez-moi s'allier, soit veille. Soit veille si l'autre la poudre. Ou bien si le peigne qui coule les sandales. Vous avez besoin de veiller si l'autre la gagne verse ou bien si le bagne verse. Et ça, vous venez veiller. En nous spirituel. Il m'a dit encore qu'on piège, nous ne pouvons pas prendre la donne. Réunis un bon monde et puis pas de spiritualité dans le monde. Pas de bon Dieu vrai. On vieux piège lié. Les hommes, ils sont satisfaits avec, réunis, frapper cymbales. Tout à dit, monsieur, frapper cymbales là trop fort. Frapper cymbales, jouer gros musique, guitare, keyboard, micro. Trompette, bien fort. Et puis on commence ça avec l'ouange là. Ça aussi, être joyeux. C'est pas qui aide nous, ou est-ce qu'on a adoré le Seigneur, bien. Si ce n'est pas utile, on a suspendu. Si le cœur n'a pas qu'à lever devant le Seigneur, il n'y a aucune raison pour la musique à jouer. Ni micro à parler. Il y a cœur.